Voilà, Ultimate Rêverie, vous connaissez tous le principe. Allez sur le site, préparez-vous un build. Le mien, c'est celui-là. Si Georges, tu peux mettre mon écran. Voilà, très solide. Et Chips, t'as Brome ? Je dois avoir Brome, attends. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai du Brome, coup, on va... Alors, t'as accepté l'invitation ? Ouais. Attends. J'ai pas Brome. T'as pas Brome, merde. Bah re-roll. Merde. Hein. Putain, il était bien. Stupide talon. Oh, vas-y, c'est pété, change. Dieu. Quoi ? C'est pété ? Oh, il est pété. De quoi tu parles ? J'ai pas d'AD dedans. Il est nul à chier, le build. Je le prends ou pas ? Comme tu veux. Vas-y, bah oui. En fait, non, c'est pas comme tu veux. C'est tu le prends. Il est bien nul, le build. Hein. Tu le prends, tout simplement. Alors, du coup, la game, c'est la game de Arcanum. Et le mot de passe, c'est Brave. Brave ? Oui. Ouh, ça change. Je crois qu'on l'a jamais utilisé, celui-là. Non, on l'a jamais utilisé. Donc voilà, alors c'est un 21-7-2 que je dois faire. Faut pas oublier qu'il faut faire dans l'ordre, y compris les boots améliorés. Pas de ward, pas de pot. Rien. Juste la bite et le couteau. Oh là là, on a Jiraya. Il est là. Big up. Ok, bah tu peux lancer, Noah. Tu peux lancer, on est parti dans cette Ultimate Bravery. Voilà, tout le monde, jouez le jeu, Ultimate Bravery, on est là pour ça. Et du coup, moi, c'est là, c'est Jenny, toute miteuse. Alors, j'ai quoi ? Désolé, Georges. 21-7-2. Hop, je te le remets. Ah merde, j'ai pas talon non plus. Bah, re-roll. Fuck ! Docteur Mundo. 21-7-2. Ah, il est marrant, ce build avec Docteur Mundo. Ah ouais, vas-y, j'aime bien. Allez, ben, Docteur Mundo full AD. Ok, ça risque d'être intéressant. Oh, j'ai rien. Il n'y a pas beaucoup de champions que j'ai pas. Là, je tombe sur deux d'entre eux. Alors du coup, il faut que je fasse quoi ? 11-7-12. 11-7-12. Ouais, je vais prendre ça. 21-7-2. Bon. Du coup, j'ai de l'AD. Bon, on va jouer AD. Hein. 11. Ça 7, va être étrange. 12. Oh, merde. 21. Oh, mec, 12 points utilitaires pour Mundo, c'est l'horreur. 7. J'aime bien les deux points inutiles au possible qui me restent à mettre. Et donc du coup, c'est Flash Purge. Je m'en tire pas trop mal. Flash Purge. Mec, j'ai un Mundo utilitaire. Et moi, j'ai quoi en... au niveau des... C'est Revive et Fatigue. C'est bien, t'es bien loti là sur cette, ouais, sur cette game. Je suis pas mal. Good Day Trash. Ok, Téléport et je dois boss, en premier le Max E. Q. Ok. Alors hop, comme ça, copier, hop, coller. Troll, c'est Juni. Pas mal du tout. T'as un flash quand même. Hein. La Katarina, elle a flash exhaust. Ça arrive. D'accord. De toute façon, il y a toujours un ou deux. En Ultimate Bravery, c'est toujours l'hybride hein, qui prime. C'est... Ouais. C'est le Ezri, la Katarina, le Jax. Le Mundo. Le. On a un Gangplank, TP Revive, une Sejuani Ghost TP, un Jace, une Net Barrière, un Malzar. Ah, Malzar des Neiges, voilà. Les nouveaux skins d'ailleurs. Ah hein. Ouais. Ils sont sortis spécial Poro. D'ailleurs, celui de Sejuani est bien sympa. Hein. C'est avec un Poro sur la masse Je crois que c'est Poro Rider. C'est je crois qu'elle ride un Poro. Oh! Il me semble. Ah, une Idzis! Et ouais, du coup, je me dis que je vais peut-être investir dans le Poro Rider. J'avoue que c'est assez stylé quand même. C'est assez swag. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je me demande si le prochain skin que je vais prendre, ce sera sûrement un truc avec Emmerdinger. Ah, Emmer, tous ces skins valent le coup en général. Le skin Mars Attack, je lande dessus depuis un bout de temps tout de même. Mais il est encore disponible? Ça doit. Il est cher, mais. J'avoue que le Mars Attack, il fait quand même sacrément la différence. Ne courez pas. Nous sommes vos amis. Je me suis refait récemment, c'est toujours aussi drôle. Ça, ah oui, non, ça vieillit pas. Hein. Qu'est-ce que c'est con. Et on est parti, ça a chargé plutôt vite pour une fois. Alors, du coup, bah, moi je vais aller à la top lane, je pense. System Boots.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, c'est Boots. Hein. Ouais. Moi j'ai quoi? C'est des mercures. On a le droit aux potions? Non. C'est pas de potions? Ouais. Et le trinket? Ah oui, pas de trinket, hein, c'est le trinket. Vous avez le droit au brouilleur. Pas de potions, donc en fait c'est juste des Boots. Intéressant. Alors moi du coup, où est-ce que je vais jouer? Nos potions, nos trinkets, nos wards. J'ai brouilleur. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Je suis trop con en fait, j'ai pris les masterises avec la pote et le cookie sur mon Mundo. Alors qu'il n'y a pas le droit aux potes. Bien solide. Vu. Très solide, 2 points bien investis de ma part. Attends, qui va où là? Ben je sais pas. J'ai l'impression que le trèche va du côté du top, la Katarina du côté du bois. Je peux jouer Mundo mid. Hein. On a un smite, c'est pas mal. Oh, je vais aller à la botlane du coup, je pense. Ça existe plus la Feral. Non. Tu peux pas avoir de Feral. La Feral, bah du coup c'est le dévoreur. Ah oui, c'est le dévoreur. Faut que tu fasses le dévoreur. Ouais. Ah oui, j'avoue. Je suis en train de d'étirer mon bras. Je sais pas quoi, Max. Tu maxes quoi sur ça, Juani? Bah le toi, tu. Ah bah oui, non, j'ai, ton... moi je dois maxer. Attends. Moi je dois maxer mon A, bah de toute façon voilà, comme ça. Attends, c'est mon A, puis après je choisis, c'est ça? C'est ça, Mundo mid. Oh là là. Permaf. Mundo. J'ai massadé du coup avec mon Mundo. Alors Gnar Jungle, avec 29 d'armure, ça va être chaud. Alors pour l'instant, je farme tranquillement, Noa. Mundo mid, pourquoi c'est toi qui te prends le mid alors que j'aurais été bien plus compétent avec ma Sejuani? Bah je sais pas, on me l'a laissé, du coup je l'ai pris de... Enfin, qu'est-ce que tu veux toi? J'étais particulièrement saucé pour prendre le mid. Il n'y a pas de régen. Tous en avant. Non. Tiens, je te brouille les creeps, oh moi. Oh là, les dégâts. Oh mon dieu, chips. Non. Oh, chips. Oh, c'était chaud. Ah, du coup, c'est un peu la mort, là, parce que... Il nous faut le niveau 2. Je viens de passer niveau 2. Bon, j'ai un revive, dans tous les cas, c'est pas grave, je peux revenir. Je le défonce, hein. Oh. Last hit. Bon, je laisse tourner ma passive de régène. Oh voilà, oui, superbe. Il purge. Non. Non. Damn it. Il y a beaucoup de creep, Katarina. Il y a beaucoup de creep. C'est pas grave. Le first blood, je vais prendre des mercures en first. Très bien. Je suis déçu, elle me go pas là, le blanc. Beaucoup trop prudent. Oui, en plus, il faut prendre... Attends. Je dois prendre des mercures quoi, moi? Ah. Je dois prendre des mercures à la crité. Ça te convient pas? Ouais, fais le malin, mais en tout cas, à chaque fois que je regarde ton mid, t'es en train de te faire marcher dessus par la Leblanc. Hein. Bah, c'est pas facile, mais. Moi, j'ai passé niveau 4, je pense qu'après je vais back. Allez, hop. On l'a tellement surpris, ce Malzahar. C'est la cleaver. Oh là là. Non. Oh, le chips. Attends, moi mes... Bon, arrêtez de distraire Georges, laissez-le réa tranquillement pour qu'il montre bien à quel point chips a du mal son mid. Lucidité. Solide avec Mundo. Ah oui, il faut que je max le A. Bon, je viens d'utiliser mon revive. 480 secondes de cooldown. C'est bien. Un bon spell. Quoi, j'ai 12 CS et elle, 21. Je suis derrière. Ils sont marrants, les pourros, enfin les de bestioles de Malzahar, elles ont aucun sens. Du coup, tu joues un peu ton Malzahar AD? C'est pas moi, je suis pas Malzahar, moi, je suis Sejuani. Ah oui, non, c'est vrai, c'est vrai.
Non, c'est l'Outnolzar en face, il a le skin snow. Ah ouais, ça, donc c'est, il lâche des poros. C'est une sorte de poro violet à pattes. Poro violet à pattes. C'est très spécial. Je vais regarder avec intérêt ton écran. Voilà, voilà, c'est bon. Le mal a été fait. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Non! Le poro a mis mon allié en défi! T'en empêches? Exceptionnel? Ouais, non, ça suffira pas. Attends. Oh! Avec ses 17 HP tout mouillé. Est-ce que tu es déception? Je suis déception, Chips. À la crité. Truc, je le fais tellement jamais, quoi. Moi, j'ai Lucie, mec. Hein. Lucidité. À la crité. C'est peut-être la deuxième fois ou la première fois que je vais les faire. Du coup, mon E que je vois max, il revient toutes les 6 secondes. Solide. Un choix opti de ma part. Superbe. Malzar, je l'ai. Ah ouais, non. Il va faire le tablier. Hop, 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 hop. C'est dur au mille. Non, je me suis fait dive. Et je fais des améliorations à l'écrité, moi aussi, Noah. Tu n'es pas seul. T'as un truc qui est moche, c'est que genre, j'ai pas de point de vie. Je vais faire quoi après? Moi, je vais faire l'encensoir dans donc un objet que je n'ai jamais fait. Je ne sais même pas encore ce qu'il fait. Mais si, tu te souviens, je t'ai fait faire une fois sur Lux. Oh merde, ça pue la mort. Bah surtout qu'avec ton personnage, pour le coup, mettre des shields, c'est un peu compliqué. Putain, je pense qu'avec Mundo, je vais être puant cette game. Mais c'est bien, les deux fois où je joue Mundo cette année, il y a une fois où c'est full AP, il y a une fois où c'est full AD hybride. Donc full AD hybride, bon, ça a pas beaucoup de sens, je dirais, mais... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, la complexité, c'est bon, c'est du 1 pour 1. 50, c'est bon, j'ai de la régénération de base du mana. Solide. Mon dieu. Après, c'est Juani, ce qui est bien, c'est que de l'AP comme de l'AD, c'est jamais inutile. Bon, enfin, l'AD. C'est pas inutile. Ah merde, autant pour moi, j'ai pas fini mes boosts, je dois tout vendre. Voilà. C'est ma punition. C'est ma punition, je perds de l'argent. J'ai pas fini mes boosts. Chiffre ! Oh là 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 là, les plays au mid ! T'as vu au moins? Non. T'as montré Georges? Personne n'a vu. Sérieux, les mecs, vous dégoûtez quoi? Personne n'a vu Chips. No one care. Putain, je mets des taloches avec mon Mundo AD. Il y a une époque, il y avait un bull sur Mundo qui était en vogue, c'était un Mundo crit. En early. Genre, tu mettais masochisme et le mec, tu mettais un crit de porc. Oh mon dieu. Superbe. Là, le blanc qui tente le go-in. Oh là, la rapidité de cette Sejuani. Non. Oh, je prends le kill quand même. Son dive n'aura pas abouti. Bon, maintenant, de l'armor en masse. Je vais chercher ma côte épineuse. Solide, là, le blanc en face, elle build quoi? C'est une le blanc tank. Elle va commencer à avoir du mal à me tuer. Ouh là là, le bot noir. Le petit slow de zone, c'est bien fait. Coup de marteau, flash out de noix. Allez, allez Kata, allez Kata, juste un Q. Aïe. Ouh. Ah. Noix. Ah ouais, effectivement, ces bestioles sont assez marrantes. Ouais, t'as vu? Je sais pas ce que c'est censé être comme bête. Je pense des poros du néant. Ah bah ouais. Des poros du néant, ils font bien flipper. Hein. Bon, ça va, on a une Katarina qui est en train de se feed. Et qui est en train de stacker. C'est aussi une Katarina, y'a rien qui est mauvais sur elle. Ouais, là pour le coup, clairement. Il est là, il a l'ulti, il est prêt à agir. Je suis mal. Et en plus, j'ai l'air du cooldown pour l'ulti.
Il force le heal. Mon dieu. C'est compliqué, hein. Comment tu t'en sors, toi? Bah, au bout d'un moment, t'es trop tanky pour elle. Bah oui, enfin, trop tanky avec mon build. Ah bah, t'as de l'armure, c'est bien. Hein, j'ai de l'armor. Elle a quoi comme stuff en face? Stuff tank. Donc, a priori, t'es trop tanky pour elle. A priori. Mais après, faut que je me méfie, en fait, parce qu'elle me kite beaucoup. No fear of the Leblanc. Est-ce que ton revive t'a bien servi? J'ai utilisé une fois au début, j'aurais pas dû parce que j'ai perdu mon temps à bail, tu vois. Donc oui, effectivement, il a été super efficace. Oh là là. Putain, je fais des dégâts. Bah, ils la cleaver. Ils ont peur de ma puissance en bas. Flamme. Mec, j'ai 242 d'AD là. On est à 11 minutes de jeu. C'est pas mal. Ah oui, mais avec ton masochisme. Ouais, c'est ça. Bah oui, je le max en premier. Ah bah oui. C'est un vrai Mundo AD des familles. Je vais mettre des taloges dans la mêlée. Je brouille. Ah, t'as pris le brouilleur quand même. Donc du cheat de la part de Noir. Bah, je vais brouiller beaucoup de choses. Oh, Jean! Putain, la Irelia elle part sur du stuff dégâts. Saloperie quoi, ça fait mal. Noir, oh, comme Dieu. D'habitude, un seigneur du bait. Il sent! Non, j'y ai cru. Oh! Tu oh! Mortel. Allez! Oh, oh, là, enchaîne! Occulte. Enchaîne! Enchaîne, voilà! Oh, elle a une occulte. Oui. Oh! Ça, ça va être sale pour les adversaires. Désolé, excusez-moi. Hop là, la Irelia sous la tour. Est-ce qu'on va avoir le droit à un grab de pump? Comment il s'appelle? Plump my ride. Je ne sais pas ce que veut dire plump. Attends, plump. Je vais demander. Tu peux demander, c'est le plus simple. Bon, j'ai pas le temps. Avec un fameux caps lock. Oh là là, chips. Oh là là, elle te brain. Joum. Mon dieu. Oh mon dieu. Mec, j'ai pas mis une machette sur les 5 que j'ai lancé. J'aurais fait un piètre guerrier rose, je pense. Oh oui, magnifique! Oh là là. Et maintenant, je max ce que je veux. Oh mon dieu, là, le blanc! Non! Putain, il est pété son but, là, le blanc. C'est quoi? Manteau de Corbin et j'aime exalte. Alors nous du coup on va voir la Katana qui va être pétée et eux en face ils ont une Irelia avec la des bouts de sorcier. Ouais, la Irelia elle va être chiante. Oh le Gnar. Boum. Et maintenant Zephyr. Putain, je vais avoir masseré du cooldown sur mon champion n'empêche. Ça veut dire des ultis très souvent, ça, et donc des plays, de ma part. Parce que Mundo est un personnage bien connu pour ses plays. J'admire le bot, Noir. C'est tout le temps les fights au bot, hein. C'est la folie. Ah, ça bouge chez Noir, allez. Dommage. Ah, dommage, ouais, mais du coup, elle perd ma stack. Ah, elle a ping, moi j'y vais. C'est bon, j'ai l'encensoir ardent. Ah. Maintenant, je crois que je pars sur une occulte. C'est ça, je pars sur une occulte. Les shields de Noir vont être impressionnants. Boum. Le Mundo qui met des grosses taloches comme ça. Il est quoi le trash? Superbe, il part sur une Warmog first. Solide. Regarde ce décal. Regarde ce décal, les boosts à la crité. Enfin l'enchantement à la crité qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Oh, le trade qui envoie du lourd au top.
Oh oui, touche avec la machette. Il mérite ce kill. Non? Non? C'est pas moi qui veux l'avoir? Ah si. Si, c'est moi. Avec la machette. Avec la machette. Ah, mec, là par contre, ma machette a été vraiment futuriste. Hein. Au milieu des creeps. Oh là 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 là. Il te fait la pluie et le beau temps sur cette faille de l'invocateur. Et ainsi que des allers-retours à la base. Ah ouais, tu veux tenter le trade? Tu veux tenter le trade? Oh la machette! Boum! Mec, je mets des claques. Tu fais... Bah ça fait mal hein. Ouais. Ça fait à une mal. Époque, ça pouvait jouer comme ça un Mundo. Je suis hyper squishy, mais je mets des claques de porc. Je sais, un Mundo où c'est pété, le temps s'était pété à la top lane. Mec, ah. En 1v1, tu mettais des gifles. Boum, boum. Tu voudrais trouver la bonne setup. Ah, compliqué. Après, l'Irelia est revenu, quoi. Ok, ok. Bon, le retour de l'Irelia, ça fait mal. Le Gnar, il joue quoi? Au bout du rouleau, il n'y a pas des stuffs si dégueu que ça pour une ultimate bréverie. Hein. C'est troll, mais ça se joue. Boum, Gnar. Oh oui, il est pas mal, ce ulti. Oh mon dieu. Regardez-noi, regardez-noi. Oh oui, oh, oui, superbe. Belle utilisation du flash. On notera. Hein. Alors, c'est pour ça aussi qu'on donne pas le flash en ultimate bréverie. Pour éviter ce genre de sous-plays. Solide, noir. Le décalage du fin fond de la carte. Et là, la question, c'est est-ce qu'elle prend des stacks, la Katarina? Ah, direct, elle se retourne sur le second plank. Oh, oh joli. La fatigue. Oh, elle s'est fait kite quand même. Oh, ah oui, ça fait un premier kill. Allez, allez, allez. Non. Dommage. Oh, c'est moche. Ah, surtout qu'elle Jace maintenant. Ah, c'est cher l'occulte, cette merde. C'est cher comme objet. Ouais, c'est pas donné. Pour la boost que c'est, infâme. À quoi une occulte en niveau pro, Chips hein? C'est ça la question. Bah, autant on voit des méjas, autant j'avoue que l'occulte c'est. Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour me faire un rouge en solo? Bah, elle a cancel son TP, je suis déçu. Les dégâts impressionnants. Et je peux faire mon dardeur, mais je rentrerai lorsque j'aurai mon Zephyr. On fait le dragon à deux, Chips. Tu le tankes. Vas-y. Et tu le tournes vers moi, enfoiré. Moi faire ça? Voyons. Oh! Par contre, le get back était sévère. Elle est sortie d'où là, le blanc? Bah, elle était dans le coin, elle était dans le coin. Allez, Zephyr de fini là. Ça va, le reste qui fait le travail. Allez, Gnar. Un superbe truc avec la lanterne. Putain, il a une brillance le. Et c'est Noacu! Superbe! Il a une brillance le GP, Rally. Ou Nolcu. Rally. Nolcu. Je veux que c'est Noacu que. Qu'il y avait là-dedans. Putain, le Malza, il a un Zonia. Et il continue à faire de la paix. Ah, il va nous défoncer, hein. Javes DFG, bon. Zephyr First, hein, c'est un du corbule de Irelia. Ah ouais, clairement. Tellement dans la merde. Ouais, grave. Mais t'inquiète, mec, mon Mundo AD, là, il va commencer mais à. Mais je vais commencer à stacker, là. Mon Mundo AD va commencer à peser. Il bah, va falloir vraiment tout miser sur Irelia, hein. Oh là là, Chips. Oh. Putain, la Irelia, elle fait mal, hein. Allez, plump my ride. Pour le petit Grac, peut-être. Putain, le Malza, il va être trop chiant avec son build. C'est bien, j'ai bien farm. Le blanc, elle a un dénominateur solide. Très solide. Tu peux changer d'écran, s'il te plaît, Georges?
Je vais aller voir mon... Merci. Et maintenant, oh, une Hydra à noix. À la place, bah, tu fais l'objet de jungler. Elle est là, l'Hydra. Putain, j'ai tellement pas de points de vie, c'est trop frustrant. Il me faudrait un item de points de vie et ça pourrait être cool et genre je serais vraiment godlike, je pense. Ah, on peut pas sans smite item de jungle, c'est vrai. C'est Panda qui est spécialiste des règles de l'ultimate bravery. Le sanction, ce sera de l'AD. Et ce sera... Le Nightzanker, ce serait trop utile. Oh, sérieux ! Tout de suite le revive, histoire de me remettre dans la danse. Putain, je prends tous les trades, hein, genre on peut pas me traiter de quoi. Hein. Sincèrement, je prends tous les trades possibles, imaginables. On peut te traiter de connard, par contre. Ça, tu peux, effectivement, c'est pas loin de quoi. Ouais. Le fameux Malzahar de AD de Snoopé. Boum. Oh mon dieu. Boum. Mange mes grosses taloches. J'arrive mid. Kata. Il s'escape. Oh. Putain, le backup. Les rotations de l'équipe en face sont extrêmement solides, Chips. Oui, ça doit être ça, Noah. Je ne vois pas d'autre explication. Ah, par contre, je suis moyen chaud pour fight là. Ah ouais, il y a l'Irelia en plus. Putain, l'Irelia elle est ingérable. Le cochon. C'est bon, je perds pas mes stacks d'occulte. C'est vraiment avoir un objet à stack avec des persos aussi infâmes en ultimate. Va sur Chips, s'il te plaît, faut que je regarde quel objet je dois acheter. Voilà. Ah bah très bien, un bâton de l'archange. Excellent. Ah oui, c'était ton fameux... C'est vrai que là, tu rentres dans la partie vraiment solide de ton build. Là, je suis dans le dur. Mais tu vas être efficace en late. Hein. Tu vas faire beaucoup de dégâts. Hein. Je pense. Après, bon, le late, voilà, est-ce que c'est une conception qui appartiendra à cette game ou pas? Après, niveau ultimate bravery, le late, voilà, quoi. Il y a toujours un late game en ultimate bravery. Tu vas mettre ton ult? J'ai pas d'ult. D'accord. Putain, j'ai envie de l'ego quand même, quoi. Patience, Chips. Oh. Oh, allez. Superbe. Putain, la Irelia qui tombe pas. C'est pas grave, c'est du 1 pour 1. Si, si, c'est grave. On a sacrifié le membre le plus faible de l'équipe. Techniquement, c'est grave. Parce que je suis mort. Allez. Oui. Les Irelia qui tombent. Bon. Ils sont pas invincibles en face. On va se les faire. Aïe. Non, bah on a une Katarina. Fais gaffe, il y a le Malzahar en dessous. Ah, par contre, l'ouragan de Runan sur Katarina. C'est solide. C'est très très solide comme objet. Il y a toujours le Malzahar dans notre jungle. Hein. Donc... Ouais, c'est pas depuis une éternité. Bah, je sais pas. Hein. Franchement, il pourrait attendre quelqu'un et paf. Tu mets tout ton combo. Quand un gentil client fait échec. Le Mundo arrive mid. Alors le... Ah bah il y a pire hein. Bah ouais justement. Ah oui non. Ouais il ouais, y a pire clairement. Après il y a un dénominateur hein, entre temps. Il y a un dénominateur ouais. Ah merde je l'ai pas vu. De quoi? Oups, le trash est back au moment où il s'est fait engage. Moi j'étais sur quoi? Ah oui, j'étais sur cet objet magnifique. Elle a quoi la Irelia? Elle a un Riley. Putain. Riley, volonté des anciens. Ça va être trop chiant à gérer. On a eu le premier dragon, faut qu'on prenne le deuxième. Malzahar, il va faire chier aussi. J'arrive, j'ai un ulti. Go go go. Putain la Irelia c'est trop chiant. Oh
Le dégât. Putain, quoi comme stuff là, le blanc. Oh là. Oh là là, ils m'ont tous abandonné pour Irelia. Je suis en vie. Pour l'instant, putain, mais j'ai l'impression que leurs stuffs sont tellement mieux que les nôtres. Oh. Putain, le Jace. Bon, le Jace est full AP. Là, au moins, voilà. Genre, on peut pas vraiment dire que ce soit core, mais. Ouh, c'était pas mal le champ pour la Katarina, une petite box. Attention, il y a le GP qui suit au top. Noa qui escape et la Katarina qui trade. Moi, je me focalise sur mes stacks. Putain, on se fait démonter. Pour l'instant, ça marche bien. J'ai 7 stacks. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est compliqué. J'avoue que niveau stuff, on est bien puant comme il faut, nous. Ouais. Putain, mais le Malz, il a un stuff full AP, j'avoue, c'est bizarre quand même, quoi. Ouais, derrière, il a un dernier souffle qui arrive. Il l'avait montré ? Je sais pas, mais en fait, il avait la ferrale normalement dans son stuff. Ah. Putain, le Malz, il a 10 stacks. Ouais, il va nous faire trop mal. J'ai 0 résist magie. Il faut groupe, notre teamfight est bien. Alors oui. N'empêche, oui. Je fais mal, hein. Mais j'avoue, il faudrait groupe. Puis là, j'ai masse de mana. Ah. Putain, je suis frustré, j'ai 0 HP là. Genre ouais, si tu me laisses mettre des claques, je fais mal, mais j'ai 0 HP. J'ai pas de résist magie. J'ai de la D. Faut que tu te vois comme un assassin. Hein. Faut que tu joues ton Mundo comme un assassin. Assassin, mec. Je crois qu'il y a... C'est un des pires concepts que j'ai jamais entendu sur le jeu. C'est un peu comme ton ninja, finalement, on s'y retrouve. Hein. C'est vraiment un truc de merde. Oh là là. Ils font trop de dégâts. Allez, là, Irelia, tu es là. Oui, Noa. D'ailleurs, Noa qui enchaîne. Attends, on est en train de faire le taf là. Oh là 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 là, le cochon sauvage. Il faut tuer le Malz, faut tuer le Malz. N'y va pas. Hein. Mais en fait, non. Ah oui, en fait. En fait, non. Alors, derrière, moi, il faut que je fasse un mur à mana. Ah, j'ai les deux objets. Putain, à mana en fait. Ah, je me fais défoncer avec mon vieux bull tout pété là. Ça me saoule, les mecs qui me dive comme une merde. Je suis Mundo. Genre, ils en ont rien à foutre. Mundo j'ai assassin, 1500 mec. Points de vie. Ça déchire, c'est juste que tu coûtes. Pourtant, qui mieux que toi pourrait jouer ce style de Mundo? C'est sûr. Normalement. Oh, superbe charge. Le cochon. J'ai même pas 2000 points de vie, mec. J'arrive. En face, ça donne. Tout le monde a plus de points de vie que moi, en fait. C'est trop frustrant, genre. T'as combien? Ah non, le Malz, il a 15 points de vie de moins, je crois. Mon dieu. Ah, le Gnar, bah oui. A moins que moi aussi. Oh, oh non, oui, super. J'ai fait brain. De quoi? Oh mon dieu, on est trop con là, le blond, on est trop con. Fuck. Vous êtes fait brain par le clone? Ouais, mais genre méchamment brain quoi. Ah, oh, on a eu l'air de chèvre. Superbe, avec ma double larme de la déesse. Il est là. Ce stuff infâme. Ah, c'est 309 d'AD, mec. Ah non, mais je fais mal, hein. Mets-toi low life pour voir combien tu fais. Un coup de cleaver, ça va prendre du temps. Attaque le Nashor, tant qu'à faire. Aïe, alors... 300. Oh, superbe, incroyable. N'empêche, également, qui peut monter plus haut en AD que toi? Bah, personne, là. Dans tout le jeu. Non, il loupe le cleaver. Je suis sérieux. Putain, ce cleaver que je loupe, mec. Non, la Irelia. Putain, je me fais défoncer. Je me fais défoncer. Oh, mais non. Elle a quoi comme stuff? Vas-y.
Qui Irelia. Ouais, mais non, mais ils ont de la paix. Ils ont un stuff. Ouais, leur stuff, il est trop bien. Vas-y, quoi. J'étais à 10 stacks, je suis redescendu à 2 stacks. Surtout le Mavs. Le Mavs, franchement... Pas mal, Hydrovoras. Tu as demandé de faire quel item au Mavs? Un dernier souffle. Un mec, viens, on lui demande de faire un... Parce que ça va être strong, dernier souffle. Hein. Ça va être strong. Faut lui... Bah, faut qu'il fasse un truc vraiment nul à chier, quoi, vu son stuff. Tous les objets, bah, je vais chercher. Donc, je sais pas, il pourrait faire... Sincèrement, je sais pas, un danseur fantôme. Voilà quoi. Bah, demande-lui. Il est trop bien. Là, il est beaucoup trop bien. Demande-lui un danseur fantôme. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de choses plus puantes. Ah, mais il a déjà commencé en fait. C'est pas grave. Faut contrebalancer la game là parce que mec c'est trop dur. Oh là là, les dégâts de Mundo. Oh là là. Il nous bait, ça sent le bait. Ça sent le bait. Oh les brains. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, je te fous de notre gueule. Ok bon. Elle nous a un peu brainfuck là. Oh là là, ce Mundo de qualité. Mundo assassin. Et là, le blanc arrive. Vla, vla. Oh merde, c'est vrai, il y a une Leblanc. Elle est là. Run, motherfucker, run. Surtout qu'il y a du farm au top. Non, c'est mon farm. Ah, ça y est, le Mundo assassin commence à peser. Mon dieu, j'ai mis tellement de temps à stacker mon bâton de l'archange. 182. Solide. Ça est ingérable. Putain mec, je clear. Bleu. Ah bah agonie de flamme plus hydrophoras, ouais. Ce que l'on prend nous appartient. Alors Jay, son seul item AD c'est l'occulte. Ouais. Intéressant. Alors après Lich, je dois faire un Yumu. Ginzu sur GP. Un Yumu. Alors. Allez, viens me 1v1 le blanc. I don't fear. Putain, 2300 points de vie. Vas-y, je veux du stuff. Pam, 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 pam. Cette puissance de clair, Chips, ce build est clairement pété. Hein. C'est bon, je vais avoir assez pour faire ma pioche. 33 minutes, non, on approche du late game. On est quasiment au 100 kills. Enfin, là, on est en mid game pour une ultimate bave, même on est en early game encore. Regarde le speed push, regarde le speed push. Vas-y, on va les tenir, Chips. Oh là, superbe! Bon, si t'avais été là, on aurait peut-être Ace. Hein. Ouais, mais attends, moi j'ai le blanc sur moi. L'ulti de GPAP, il nous fait trop mal. Regarde le trap, regarde le trap. Oh merde. Ram, ram. Incroyable, et la régène pour mieux revenir au corps à corps. Je crois que t'as Irelia qui arrive sur toi. Possible. Je brouille. Elle est là. Le sandwich. Ah, saloperie. Je t'abandonne. Ça me paraissait plus... T'inquiète, je commence à avoir de la peine armor là, avec la Yumu. Putain, le duel au top, mec. Duel de bûcheron. C'est un peu le Mundo bûcheron, mon build. Je coupe très vite des arbres. Très très vite.
Et Yumu, un peu de crit. Ah, en plus, je commence à avoir du crit dans mon stuff. Faudrait check le Nashor. Ah ouais, j'avoue, bah check toi. J'ai pas assez de vie. C'est pas grave, check quand même. Il faudrait que je farm. Check-le. T'inquiète, ils y sont pas. Mec, s'ils le font... Oh mec, mec, t'es sérieux, check-le là. Va mettre un ult, va mettre un truc. Oh. Oh, oh oui. Parfait, parfait. Et c'est le moment où je rentre dans la danse, mec. C'est le moment où j'arrive. Voilà. Le mec. Putain, j'ai pas eu de... Tout va bien, juste... Oh merde. Oh. Superbe. Oh oui, chips. Double teamed. Oh. Je me suis fait casser la bouche. Casser la bouche. Putain, si... Ah mais mon Manamune et mon Archange sont sur le... La même larme. Regarde, 362, 362. Ah ouais. Oh là là, cette mécanique pétée qui a été découverte. Surtout sur ta grosse Sejuani. Faudrait qu'on prenne le prochain dragon là, parce que... Je suis d'accord. On a vitalement besoin de cette move speed. On va être numéro 2 en dragon, donc c'est pas le move speed. C'est les dégâts aux tourelles, non. Enfin aux tourelles, non, pardon. Les dégâts aux... Ah si, tourelles et bâtiments, si c'est ça. On en a aussi vitalement besoin. Nous en avons absolument besoin parce que si je veux speed push, comment je fais moi? Je suis pas tanky par contre. Hein. Putain, là, le blanc elle peut engage parce qu'elle est assez tanky. Elle fait un black cleaver dans la foulée. Ouais. C'est pas mal hein. Bah, le blanc AD maintenant c'est méta. Hein. Ouais, ouais, en Corée. Sachez qu'en Corée on commence à sortir des le blanc AD. Non, sortir de là. Oh là là. Oh là là. Chips, où étais-tu? Bah pas là. Toujours en train de speed push. Et du coup, mon dernier objet, c'est... Ah, superbe. Un talisman de l'ascension. Allez la Yumu. Pour l'engage. Allez la Yumu. Tain, donc a... en fait, à aucun moment, je vais être tanky. Tain, le Malzar, mec. Et on a le droit aux élixirs une fois qu'on a fini ou pas? Ouais, je pense, oui, oui. Avec le Malz, il fait tellement de dégâts. Ah, le Malz, bah, il a 20 stacks de Medjay, il a 9 stacks d'occulte. Faut le tuer, en fait. J'arrive, je vais regrouper avec vous. Et je vais lâcher mes dégâts physiques dans la mêlée. Voilà. GP, j'ai pas vu les dégâts. J'ai 2000 points de vie, tout mouillé. 2006. Pareil, 2000 tout rond. Alors pour le coup, vraiment tout rond. 2000. Ouais, je pense qu'en termes de duel, il n'y a pas grand monde qui me prend quand même. Peut-être la Irelia. J'avoue, peut-être la Irelia parce que... Je pense à peu près n'importe qui a un peu de burst. Oui, en fait, oui, mais... Mais le speed push est là. Mettez la pression au Malza. Allez, faut se regrouper, Chips. On se regroupe. Attends, j'en trappe un. Non, on se regroupe. Ok. Go alors. Superbe. Putain de merde. Le bon trap. Et... J'ai essayé de choper le Malzar. Putain, c'est chaud. Hein. Ouais, je suis tellement squishy en fait. Je pensais que tu utilisais le mot inutile. Oui, également, un peu. Superbe bump. Oh mon dieu. Je viens de utiliser ton rival. Oh mon dieu. À quel point je me fais saucer avec combien de morts? T'as 18 morts. Non mais j'essaie mais en tu plus. Joues pas, c'est sneaky. Vois, mais... Ah mais... Ouais, j'aurais peut-être dû joindre les fights avant, j'avoue.
Putain, la déception. C'est pas assez sneaky avec ton Mundo Assassin Chips. Je suis un peu déçu quand même. Hein. Tout se farm pour rien. Mec, j'arrive sur le Malzage, quoi. Il a 250 ouais. points de vie, peut-être. C'est une auto-attaque. Je pense qu'il de est moi. Temps, il est temps d'évaluer tes dégâts. Et. Ah, ça peut être intéressant. Regardez effectivement, où est-ce mes que dégâts, t'en ça peut être intéressant. Mets l'écran de noix, Georges. Ouais, ouais. On va regarder mes dégâts. Alors, d'abord le tableau de stats. Ils sont là, 9-18-4, donc tu remarqueras que je suis le deuxième en gold de la oh là de là team. Fais voir un superbe peu. Superbe. Solide. Oui, on l'a vu. Dégâts subis. Hey. Dégâts infligés aux champions. Hey, je suis troisième de l'équipe. Hein. Dégâts physiques infligés. Ah là, mec, ah là. Je suis au top du top. Premier de la game. Non. Deuxième derrière si, la Irelia. Si. Non, regarde, t'as un tout petit peu plus. Non, 108 000 et elle, 112 000. La Irelia. Ah oui. La Irelia, 112 000. Donc ouais, quand même deuxième de la game, quoi, en dégâts physiques infligés. Donc, la pesance, quand même. La pesance. Assez lourd, assez lourd. Bon, Mondo. On s'est bien fait saucer. Du coup, on va vous faire une courte page de publicité. On revient juste après pour un Fightissimo et pour une 3C3. On vous dit à tout de suite.